confiné à Chicoutimi en 1950. Vous devriez être fier de votre frère. Il est prêt à devenir une grande spécialiste de la quatrième année. Trois fois qu'il reprend. Deux fois. J'essaie de prendre mon... J'essaie juste de l'endurcir un peu. Je veux pas qu'il finisse mou comme d'autres. Gérald Galland. T'es un drôle de gars, toi. Hein? Vous êtes soupçonné d'avoir commis plusieurs autres meurtres durant ce qu'il est maintenant convenu d'appeler là, la guerre des bâtards. Pauline, je l'aimais. Pour la route. Merci. Puis c'était un bon front aussi. Pour le meilleur ou pour le pire. Je me voyais comme un soldat. Reg m'a dit que t'es son meilleur. Je vous décevrai pas. J'amenais toujours deux guns. Un pour le punch, puis... Mon Christ de sale! Un autre pour la sécurité. Monsieur Gérald Galland? Oui? Général, calme. Demain, mais... Pff, en dedans... ça brasse. On veut passer inaperçu. Hey! Hey! T'es-tu fou? Pince à la suce, va t'expliquer de quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une Chevrolet de l'année. C'est pas une poubelle. On est en guerre, Gérald. Toi pis dans le lit, vous travaillez bien ensemble. On t'a une petite team, je trouve. On commence à avoir du fun, toi pis moi. Garder tout ça en dedans, c'est lourd. Je trouve qu'il te ressemble. J'ai pas toujours été un avocat. Le temps est plat, comme un lit. Ils sont au courant que tu nous parles. Ma femme? Sans aucun blé. Le tabarnak qui m'a stoulé, m'a le poignet, puis m'a arraché la tête. Tu me dégoûtes. Il y a bien des affaires que tu vois pas, maman. Le pire meurtrier du Québec, qui disent aux nouvelles. Je tuerais. C'est tout vrai. De toute façon, j'irai au diable, je m'en ferai. C'est oui, mais tu sais, 7-8, pas plus.